Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux. Et aujourd'hui, on s'est tous réunis. Voilà, Sim Spooky ici présent et y'a Spooky ici présent également. Hein. En tout cas, là, les gars, en ce moment, c'est le grand retour de... Je le dis pas et je vous laisse deviner. Quoi, bah quoi, peut-être Sirène Red, Cartoon Cat, Smite Up, peut-être. Hé, hey, ça y est, j'ai trouvé un deck, je te jure, j'ai trouvé. Allez, vas-y. Ce serait pas l'animatronique Freddy Fazbear? Alors là, pas du tout, Yaya. Bon, hey, vous savez quoi? Vous êtes complètement à côté de la plaque. Je pense que je vais vous donner un petit indice, ça sera plus simple pour vous. Si je vous dis que c'est un monstre de couleur bleue. Attends, bah ça y est, je sais. Oogie Oogie de Poppy Playtime, non? Ouais, ouais, c'est sûr, c'est Oogie Oogie, c'est sûr, c'est... Non, c'est pas Oogie. C'est quoi du coup? Non, c'est pas Oogie Oogie. Qui ça peut être? Bah du coup, je donne ma langue au chat, allez, tu peux nous dire ou quoi là? Eh, allez, dis-nous c'est qui? Dis-nous c'est qui? Ok, bon bah comme vous le voudrez les gars, en tout cas dites-vous qu'en ce moment, c'est le grand retour de Blue du jeu des Rainbow Friends sur Roblox. Wow, attends, mais celui-là, je le reconnais très très bien. Et je crois que celui-ci, il me fait beaucoup trop flipper les gars. Je crois que ce soir, ce sera sans moi. Mais quoi? Mais tu peux rester avec nous quand même ce soir là, Yaya, allez. Allez, désolé les gars, je vous promets ce sera sans moi, je suis désolé. Quoi? Non, hey, Yaya. Désolé les gars. Non, mais Yaya. Oh là, mais Yaya, elle nous fait encore sa drama queen là pour pas grand chose en plus. Puis Rainbow Friend, il est pas si terrifiant que ça, non? En vrai. Et puis attends, il y a Spooky, elle a pas tout vu encore. Heureusement, je lui ai pas montré ça. Oh, regarde, c'est la poupée vaudou de Blue des Rainbow Friend. Non mais par contre, attends, fais voir. Ouais, vas-y. Ouais, mais c'est un truc de ouf quand même. Comment t'as réussi à dégoter ça là? Eh ben rappelle-toi, précédemment, on avait commandé le Happy Meal de Blue des Rainbow Friend. Et dans ce fameux Happy Meal, on avait retrouvé cette fameuse peluche. Et ben moi les gars, j'ai carrément eu l'idée de respecter chaque étape pour pouvoir la transformer en poupée vaudou et pour pouvoir par la suite contrôler Blue des Rainbow Friend. Allez là maintenant, si vous kiffez déjà le délire, n'hésitez pas à nous mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas dès maintenant à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important. Et oui, ça vous permettra de ne rater aucune des prochaines vidéos au sujet du monstre Blue des Rainbow Friend. Allez maintenant, c'est le moment où je vous explique un petit peu ma stratégie. C'est très simple les gars. Après avoir fait quelques simples recherches sur internet, j'ai réussi à trouver le contact de Blue des Rainbow Friend. Et ouais, je l'ai directement ajouté à mon téléphone. Et puis là, si je me trompe pas, normalement, je dis bien normalement les gars, on va pouvoir enclencher un appel en FaceTime. Bon, ben entre temps les gars, on s'est tranquillement posé au canapé. Et là pour le coup, regardez, comme je vous l'avais dit, j'ai bel et bien le contact de Blue des Rainbow Friend dans mon téléphone. Regardez ça les gars, et je pense que vous l'avez vu. Regardez, nous avons la fonctionnalité FaceTime. Parce qu'en fait là les gars, ça va clairement nous permettre de déjà tester la vaudou à travers le FaceTime. Eh ben ouais, ça c'est vraiment une bonne idée, j'y avais pas du tout pensé. Mais ça va nous permettre bah du coup de l'avoir en FaceTime. Ça va être pas mal ça. Allez les gars, moi je vous le dis, on perd pas de plus de temps. Et je l'appelle en FaceTime, direct les gars, direct. Eh ouais, là, on est très chaud ce soir. En tout cas, là, les gars, déjà, ça sonne, hein. Ça veut dire que c'est très bon signe. Je pense que mes recherches ont été très fructueuses. Et à mon avis, je me suis pas trompé. Enfin, j'espère que ça va répondre. Ça a répondu. Quoi? Déjà? Regarde ton téléphone. Blue? Oh, Tech. Avoue que c'est bien toi qui m'as espionné avec ton drone. Attends. Avoue, c'est toi? Avoue? Oui, c'est vrai. Et oui, je pense que certains d'entre vous déjà s'en rappellent. Précédemment, nous avions espionné Blue avec le drone. Et là, il s'en souvient. Ah oui, il s'en souvient, les... Ok, Blue. Bon, ça va. J'espère que tu m'en veux pas trop. Si, je déteste qu'on m'espionne. Ah, ok. Bon, bah, désolé, hein. Tu sais quoi, Blue? Tu peux peut-être passer ce soir à la maison. Et on peut peut-être essayer d'en parler pour détendre l'atmosphère un petit peu. Quoi de bon de se raconter des petites blagues, non? Ouais, bah de bonnes petites blagues. Qu'est-ce qu'un schtroumpf dit quand il tombe par terre? Je sais pas, je sais pas. Non, tu sais pas. il dit aïe, encore un bleu. Bon, ok, non, c'était nul. Oui, non, j'avoue, c'était nul. Bon, attends, Sim Spooky, ce que je vais faire, c'est que je vais muer l'appel. Voilà, j'ai coupé le microphone, les gars. Et là, ce qu'on va faire maintenant, je pense, c'est que c'est le moment d'essayer la poupée vaudou pour voir si ça fonctionne. Qu'est-ce que t'en penses, la Sim Spooky, hein? Oh, ouais, trop bonne idée, allez, vas-y, teste. Bonne idée. Attends, active le micro. Ouais, j'active, hein. Ok, on active, les gars. Bon, écoute, Blue, je pense que t'as trouvé ma blague plutôt drôle, non? Non. Non, même pas. Ah bon? T'es sûr? Non, elle est nulle, la blague. Et t'es sûr de toi, là? Gilly. Attends, ça fonctionne, regarde mon frère. Et oui, bah alors, bah je pense que t'as aimé ma blague, bah oui, mais toi, tu rigoles. Non, t'as pas aimé ma blague, t'es sûr? Bon, écoute, tu sais quoi, je te propose de venir à la maison, là, tout de suite. Ok, allez, la bise en Blue, allez.
je raccroche. Et par contre, je crois que la blague sur le schtroumpf, il a pas trop kiffé, hein. Je crois qu'on l'aime pas trop, qu'on le compare au schtroumpf, non? Bon, bah écoutez, c'est pas trop trop grave. En tout cas, là, je sais pas ce qui peut se passer par la suite. Peut-être que Blue pourrait probablement faire son apparition là ce soir. On sait pas. En tout cas, j'ai toujours la caméra en main. Et s'il se passe quoi que ce soit, j'hésiterai pas à la rallumer pour vous filmer tout ça, les gars. Et allez, bon bah, à tout de suite. Hey, c'est Miss Pookie, c'est Miss Pookie. Quoi, quoi, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a en fait là? Je crois qu'il se passe quelque chose. En tout cas, les caméras de surveillance ont détecté une présence il y a de cela 2-3 minutes. On regarde, on essaie de voir ce qui se passe là. Ouais, vas-y, regarde. Bon, attends, laisse-moi juste me connecter sur les caméras. Ok, ça y est, je suis dessus. Alors, ça donne quoi, gros? Regarde ça. Quoi? Hé, regarde là, tu vois, c'est la porte d'entrée. Mais ouais, on le voit. Il y a Blue. Ouais, il y a Blue, les gars. Dinguerie. Regardez-moi ça. Comment il a fait pour s'introduire? Je sais pas, mais regarde. On est dans le noir là. On est dans le noir total là. J'ai juste à côté de toi. C'est attends, ce délire. Allume la lumière de la caméra, vite. Allume la lumière de la caméra. Vas-y. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire là, les gars? Mais on était complètement plongé dans le noir. Et puis regardez d'ailleurs. Ouais, je crois que j'ai encore la visu sur les caméras de surveillance. Regardez ça, les gars. Et oui, regardez-moi ça. Il est devant le tableau électrique. Mais ouais, regarde. Il est en train de... Mais c'est lui qui est en train de couper l'électricité générale dans toute la maison. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans le noir total. Et puis maintenant, tant que j'y pense, faudrait vraiment, mais vraiment pas qu'il coupe l'alimentation générale de toutes les caméras de surveillance de la maison. Et puis bah d'ailleurs, regardez, on a encore un visuel. Regardez-moi ça, les gars. Et oui, il est juste devant le tableau électrique au rez-de-chaussée de la maison. Et là, faudrait vraiment, mais vraiment pas que ça tourne mal, cette histoire-là. Regardez-moi ça, les gars, regardez. Il est juste... Oh quoi? Nos signales? Non. Oh non, attends. Oh non, regardez, nos signales, les gars. Oh mais non, mais... là, par contre, les gars, je crois bien que le pire est arrivé. Il a sûrement dû couper l'alimentation de toutes les caméras de surveillance de la maison. Non, mais là, du coup, maintenant, ça veut dire que Blue des Rainbow Friends, il est carrément présent dans la maison, là. Et oui, à mon avis, il a pas du tout kiffé la blague sur les schtroumpfs. Bon, c'est pas grave. Et on va vite descendre au rez-de-chaussée pour voir. Et oui, pour aller jeter un oeil. Et pourquoi pas aussi réactiver toute la lumière dans la maison. Ce sera mieux. Oui, ce sera mieux, je pense. Allez, viens, suis-moi. On va directement aller jusqu'au rez-de-chaussée, les gars. Allez, viens, on se dépêche, on essaie de se dépêcher. Mais là, attends. Hey, regarde la porte d'entrée. Regarde là. Elle est ouverte. Eh bah oui, bah là de toute façon on l'a très bien vu auprès des caméras de surveillance. Blue est là. Maintenant on va vite fermer la porte d'abord. Vite, suis-moi. Let's go. Ok, ça y est, la porte d'entrée est fermée. Là maintenant, on ferait mieux d'essayer de rallumer les lumières de la maison quand même. Allez, vas-y. Ah, je crois que c'est ce bouton là. C'est pour remonter ce bouton là. Attends. Allez, vas-y. Et voilà, ça y est. Ouh, c'est déjà beaucoup moins flippant là quand même. Avec la lumière, c'est beaucoup mieux. Et là maintenant. Il y a du bruit là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Je sais pas. Attends, je crois que ça provient de l'extérieur ça. Attends. On va aller jeter un oeil. Vas-y, regarde. Y'a quelqu'un? Attendez là les gars, si vous apercevez de quelque chose que je m'en suis pas rendu compte, n'hésitez pas à me le dire directement à moi dans les commentaires les gars. Mais Blue? Viens. Attends, j'entends du bruit, je crois que ça provient de la terrasse. La terrasse tout en haut, regarde, essaye de regarder. Là, il est là. Mais il est là, il y a Blue. Gros. Eh mais là vous l'avez bien vu les gars, Blue vient de s'introduire à la terrasse. Il a escaladé carrément. On rentre, vite, Sims, vite. Et là les gars, maintenant faut vite vérifier si toutes les portes et les fenêtres sont fermées. Parce que là sinon, Blue va s'introduire. Mais ouais, c'est vrai, t'as raison, allez, viens, on va boucler toute la maison, allez. Vas-y, let's go. Faudrait pas qu'on soit confronté à Blue, nez à nez avec lui. Allez, viens. C'est vrai, là c'est fermé déjà. Là, attends, ça c'est pas bouclé. Ça y est, ça c'est bon. Bon bah ça y est, là je pense que c'est bon RobTech là, non? Attends, non, là. Oh, j'ai oublié cette porte là. Ouais, la porte fenêtre là. Vas-y, ferme-la. J'ai carrément flippé là, j'ai sursauté. C'est quoi ce délire là, t'as vu? Il est juste là derrière, regarde. Oh, il est là. Ça va, heureusement que j'ai fermé à temps parce que là. J'ai eu chaud là. Bon, on a eu chaud, hein. Franchement, on a eu chaud. Mais en tout cas, la Blue, il peut que rester à l'extérieur. On a tout bouclé. Là, je pense que. Attends, mais c'est quoi ce bruit là? Je sais pas, je crois que ça provient de ma chambre. Mais c'est bizarre parce que pourtant tout est verrouillé. Attends, là c'est étrange. Franchement, c'est étrange. Non, mais attends, mais c'est bizarre. Normalement, on a bouclé toute la maison. T'es sûr que t'as pas oublié une fenêtre ou quoi que ce soit? Je crois que je l'ai laissée ouverte en fait. Oh non. Je crois que je l'ai laissée ouverte, les gars. Attends, tu sais quoi? On peut aller voir. On va peut-être aller voir, mais discrètement, ok? J'espère que je l'ai laissé fermer, les gars. Attendez, on va regarder ça. Regarde, ma fenêtre, elle est là. Oh non, il est là. Attends.
Vite, on se cache. Attends, on se cache. Bah les gars, ça y est, je crois que c'est trop tard. Blue s'est introduit dans ma chambre. Ouais, bah maintenant on fait quoi du coup maintenant? Faut se cacher, allez. Ouais, faut se cacher. Vas-y. Bon bah alors maintenant ton truc vaudou là, tu peux l'utiliser peut-être, non? Ça va nous aider là. Vas-y, donne-moi cette poupée, j'ai envie d'essayer. Attends, mais t'es sûr que c'est pas une partie de plaisir, c'est une spooky? Non mais t'inquiète, moi j'aime bien faire ce genre de choses. Bon allez, t'es prêt? 3, 2, 1... Allô? Mais ça fonctionne pas du tout là, c'est quoi ton truc là? Ouais, non mais attendez les gars, il s'est rien passé. J'espère qu'elle fonctionne quand même. On va réessayer. Tu sais, c'est de l'artisanat. Des fois, ça fonctionne une fois sur deux. Tu vois ce que je veux dire ou pas déjà là? Bon, je vais réessayer. Et 3, 2, 1. Regarde. Mais y'a rien. Y a rien qui fonctionne. Ça fonctionne pas. Mais y'a Blue dans la maison et notre vaudou fonctionne pas. Comment là, ça sent mauvais là. On est dans un sacré pétrin. Et regarde, je crois qu'il nous a repéré. Non, regarde, non, sérieux? Il arrive. Non. Blue Rainbow Friend, oh, recule. Oh, non, c'est Spooky. Non, c'est pas possible, je peux pas laisser Sim Spooky comme ça se faire attaquer par Blue des Rainbow Friends. Attendez, je vais réessayer jusqu'à temps que ça fonctionne les gars. Et... Oh non. Allez, 3, 2, 1. Bam. Attendez. Sim, viens, reviens vite. C'est quoi ce délire? Ça y est, ça a marché du coup. Je crois que ça a fonctionné. Mais oui, je crois que ça a fonctionné, Sim Spooky. Attends, c'est pas terminé. Il arrive, regarde. Stop. Pas bouger, Blue, pas bouger maintenant. Recule, hein. Et voilà. Hé, hey, mais ça marche du tonnerre là ton truc. Ouais, ça y est, elle était capricieuse au début, mais ça fonctionne. Attends, je vais me relever et on va s'amuser. On va bien s'amuser. Attends. Hé, Blue, regarde un peu ça, j'ai ta poupée vaudou. Alors maintenant, fais-moi le malin, d'accord? Hein? Hé, recule, pousse-toi là. Attendez les gars, on va bien s'amuser, moi je le sens. Hein. Allez, 3, 2, 1, stop. Et voilà les gars, c'est comme ça qu'on se fait respecter. Et oui. Et 3, 2, 1. Ouh. 3, 2, 1. Et paf. Regarde ça. Bien fait pour lui. Là j'aime bien les gars, là j'aime bien. Attendez, il se relève, regardez. Et en tout cas les gars, dites-vous que c'est que le début. Oh ouais, c'est que le début. Attends, il est où là? Je sais pas. C'est déjà relevé quoi. Là. Il est là. Il s'en va, il monte. Il monte à l'étage là, regardez. Ouais. Regardez, il monte à l'étage les gars. Bon, en tout cas là, je pense qu'on en a assez fait avec la poupée vaudou. Il s'est directement enfui jusqu'à l'étage les gars. Et ouais, là, il fait moins son malin. Attends. Mais c'est Yaya ça? Ouais, c'est Yaya. Mais c'est Yaya. Attends, quand il crie comme ça, c'est que ça va pas, hein. Ça sent pas bon ça. Vite, dépêche-toi. On va aller vérifier, vite. Monte. Allez, viens, suis-moi. Vite, dépêche. Allez, viens. Vas-y, tiens, prends ça, s'il vous plaît. Faut qu'on soit prêt à l'utiliser, ok? Allez, regarde. Non. Blue est en train d'attaquer, il est Spooky là, non? Mais je fais quoi? Non, vas-y, c'est Spooky, faut l'utiliser là. Ok, 3, 2, 1. Ça a bien joué, ça a trop bien marché. Regarde, il s'est carrément pété la gueule. Les gars, je vais me faire attaquer par Blue là, c'est carrément terrifiant. J'étais dans mon sommeil tranquille là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive ici là? Ah mais t'inquiète, c'est pas le moment de t'expliquer. Allez, viens, on descend. Descendez. Bon, faut qu'on se mette en sécurité. Viens, on descend. Et toi ça va Yaï, t'as rien arrivé de mal? Non, ça va, j'ai juste eu très peur, enfin j'étais dans mon sommeil quoi, tu vois? Mais je comprends, attends, et regarde Yaï ce qu'on a. Mais c'est quoi ça les gars? Bah c'est la poupée vaudou de Blue des Rainbow Friends. Vraiment? Elle fonctionne? Vous êtes sûr les gars? Bah oui, justement, c'est grâce à ça qu'on a pu te sauver tout à l'heure. Ah ouais, c'est sérieux votre machin là? Bah ouais, vas-y. Ah ouais, vas-y, bah tiens, regarde, tiens. Ah ouais? Tu vois, mais c'est trop bien là. Attends, mais là, regarde derrière toi. Oh, ah, il est là, Yaël. Mais attends, non, du non, coup, non. Laisse-moi tester ça. Allez, essaye. Vas-y. Regarde. Oh.
Hey, mais c'est du sérieux votre truc, ça fonctionne vraiment là, c'est super. Oh là ouais, c'est un truc de ouf, attends vas-y donne-moi ça. Mais attendez les gars, moi aussi je veux m'amuser avec ce joujou. Attends, vous êtes prêts là? Je vais faire une dinguerie. Vas-y. 3, 2, 1. T'as vu, ça marche du tonnerre là, c'est un truc de ouf. Attendez les gars, moi j'ai envie de tester une grosse dinguerie. Et oui, c'est une idée que j'ai dans la tête depuis le début de la vidéo les gars. Et regardez ce que j'ai dans la poche, un briquet. Bon attention les gars, c'est vraiment vraiment très très dangereux de jouer avec un briquet. Donc faites vraiment vraiment très 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 attention. Et c'est uniquement réservé aux professionnels les gars. Mais attends Robtech, toi t'es un professionnel toi? Bah bien sûr que je suis un professionnel les gars. Bon allez, c'est parti, on y va. Je vais tester ça hein, allez c'est parti. On va lui brûler le palapa. Regarde un peu ça, regarde. Ouh, là ça va chauffer pour Blue. Et regarde. Oh lolo. Et là je crois que Blue il a souffert hein. Ouais. Là je pense que c'est le moment de s'arrêter un peu parce que on lui a assez fait je pense là. Regarde. Les gars regardez. Oh et Blue. Et recule de là. Et recule de là quoi. Il a pris la vaudou là, non mais c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce qu'il fait avec la vaudou là maintenant les gars? Regarde, hé, hey, Blue, fais pas de bêtises. Tu pourrais te faire mal à toi-même en fait, c'est ça le problème. Fais pas de bêtises hein, hé, aucun faux geste, ok Blue? Donne-moi cette poupée vaudou. On va essayer de lui récupérer là. C'est dangereux quand même. Blue, redonne-moi cette poupée. Pas à toucher, pas de bêtises Blue. Et tu me redonnes cette poupée hein. Allez, redonne-moi ça. Possible ça, comment on va faire les gars hein? Yaya, t'as une idée? Ah là les gars, là je peux pas vous aider là, ça sent vachement pas bon cette histoire hein. Non, Blue, fais pas de bêtises, rends-moi cette poupée. Allez, rends-moi cette poupée vaudou, tu peux te faire du mal à toi-même. Non, allez donne-moi ça. Mais Blue, donne-moi ça. Fais pas de bêtises. Non, fais pas de bêtises. Oh non les gars, qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends, mais regardez ça les gars. Mais attends, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi? Oh, mais t'as vu, il a carrément disparu d'un coup comme ça. C'est complètement fou ce qui vient de se passer. Il s'est mangé lui-même. Ouais, il a dévoré la poupée. Et puis bah du coup il a carrément disparu d'un coup comme ça les gars. Bon bah en vrai j'avoue que c'est mieux comme ça, parce que ce monstre était quand même assez terrifiant hein. Ouais ça c'est vrai ça hein. Ouais c'est clair hein, ça faisait flipper quand même. On a eu chaud hein. Bon bah je crois bien qu'on se rapproche tout doucement mais sûrement de la fin de cette vidéo. Mais pour le coup ça se termine plutôt brutalement. Mais ouais, mais moi je m'y attendais pas du tout en fait là les gars. En tout cas là encore une fois, si vous avez bien kiffé, bah, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas déjà fait. En plus de ça, je prévois de faire encore plein d'autres poupées vaudou, de plein d'autres monstres différents. En tout cas, restez bien connectés sur la chaîne. Et puis allez, on se laisse sur ça. On vous fait plein de gros bisous. C'était moi-même, Sim Spooky, Yaspooky. Voilà, allez, ciao.